Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne New Belge Activity. On est parti pour faire une nouvelle vidéo sur One Piece to the Storm dans un petit moment. Donc j'ai repris un petit peu hier, pour ceux qui auraient vu la vidéo. Donc en ce moment, voilà, on va reprendre petit à petit les vidéos. Donc, on est en fin du mois, qui dit fin du mois, fin event. Donc, vous pourrez récupérer pas mal de pièces à reconstruire, etc. Maintenant, comme voilà, comme tous les fins de mois, mais voilà. Comme d'habitude, pour récupérer des pièces à reconstruire, etc. Donc, voilà. Donc, qui dit fin de mois, mais. Donc c'est Barbe Blanche, version jeune. Au cas où, nous avons déjà une version jeune Barbe Blanche hein, dans le jeu. Alors que là, c'est une autre version, on va dire que c'est Barbe Blanche Aquano, ainsi. Donc forcément. Là, donc. En ce moment, dans One Piece, il n'y a pas eu très longtemps, ils ont mis une mise à jour avec des nouvelles pierres. Faut que je me renseigne un petit peu. Que c'est l'anniversaire de Sanji le 3 mars. Il y aura des récompenses. Donc, il y a lui en plus. Un an qui était. Alors, qui était mis hier, donc c'était Kidemon version jeune. Il y a une ex gratuite à récupérer, une compétence en ex. Voilà. Donc, ouais, donc, toujours vous devrez affronter toujours un personnage, hein, comme d'habitude. Si vous faites toujours, vous récupérez 18 pièces hein, arc-en-ciel, tout simplement. Voilà. Ce qui n'est pas dégueulasse. On devrait affronter un personnage tous les jours. Pour récupérer des pièces arc-en-ciel, forcément. Il faut farmer tous les jours, mais oui, il faut farmer 3 pièces arc-en-ciel tous les jours. Donc, aussi, je vais vous montrer qui affronter. Un jour aussi qu'il faudrait que je fasse un triage. Niveau des compétences SP. Parce que je commence à saturer au niveau de la place. Un jour je prendrai le temps de commencer à supprimer Il faudrait que je commence à supprimer quelques spé. Enfin, des compétences, des cartes bonus. Voilà, donc tous les jours affronter un personnage. Si vous affrontez toujours Sengoku, version jeune, tout simplement. Toujours affronter lui. C'est 3 fois par jour, hein. C'est vraiment tous les jours qu'il faut le faire. Hein. C'est vraiment. Qui est très simple, hein. C'est pas le plus compliqué. Hein. Ça faudra faire tous les jours. Plus, il faudra atteindre 1,6 million en points. Vous récupérez en plus. En tout, vous récupérez une trentaine de pièces. Sans compte. Plus les missions toujours à faire. Plus. Jusqu'à 1,6 million, à peu près des ex, puis ça se pilule, hein. Si vous faites jusqu'à 1,6 million, vous récupérez aussi une quinzaine de pièces, ce qui est pas dégueulasse. Hein. Si vous faites un bon classement, jusqu'à présent, les classements jamais été aussi plus haut que. J'aimerais être au moins en dessous du 10 000, mais bon, jamais atteint.
Il y a moyen de se faire une bonne centaine de pièces. De pièces facilement. Voilà. Esquive ou invoquer, c'est risqué. Puisqu'on arrive au mois de mars. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver au mois de mars? Il y aura le festival du printemps. À partir du 20 ou 20, 21 mars, il y aura le festival de mars. Donc, voilà, l'avantage du festival, c'est vous avez des hubs et vous avez des garanties hein, au niveau des spuel. Quelqu'un qui commence il n'y a pas très longtemps, mais le festival, c'est le mieux pour débuter. Moi, ouais, les fameux events, pour moi, c'est ceux qu'il faut pas forcément invoquer. Pour moi, c'est pas les meilleurs portails hein, vraiment du jeu. Voilà. Ou en free-to-play, c'est pas intéressant, tout ce qui fait event. Et au cas où vous avez une multi gratuite offerte, hein, comme vous savez, maintenant ils offrent des multi. Quoi qu'il arrive, vous avez de quoi faire deux multi, hein, gratuitement. Vous avez le portail, mais c'est en plus des tickets, hein, vous avez le portail, mais vous avez en plus les tickets. Parce que, on va le monter directement. Je pense que c'est d'être un légendaire. C'est vraiment Barbe Blanche, c'est un pirate, c'est un ver. Là, je sens que c'est un légendaire. On va le monter directement. Je sais qu'on peut le farmer, etc. Mais bon. Moins d'avoir une autre version de lui. Ils sont jeunes. Peut-être plus âgés, peut-être hein, jeunes, plus âgés. J'en ai des points. Les points, ça sert sûrement à compter les personnages, s'ils n'avaient pas assez de doublons. Logiquement, ça va très vite, hein. Exceptionnellement. Donc il a reçu une nouvelle compétence. Voilà. Go. Sais pas si j'ai assez en l'arbre de compétences. C'est bon, monter un petit peu en arbre.
Un petit peu long, peu. Alors que la barbe blanche, j'ai tous ses ex. Moi, j'ai tous ses ex. Ils n'auront pas l'aspect UL. Tous ses compétences, il me semble, alors que c'est. Ils n'auront pas la nouvelle. Voir s'il y a un article. Parce que oui, j'avoue. Voir à la fin. Je sais pas si au fur et à mesure les arbres vont évoluer. Donc, ce que je vais faire dans le futur, donc au cas où les 5 ans vont arriver, donc après le mois de mars, il y aura les 5 ans. C'est que ce mois-ci sera pas évident. Au mois de mars, il y aura le festival. Et au mois d'avril, il y aura les 5 ans. Peut-être que je ferai une prédiction par rapport aux 5 ans. Je pense que ça semble évident. Je pense à Roger, que dit Roger, qui est apparu comme sur le jeu One Piece. On aura certainement que dit Roger, qui est en version X pour les 5 ans. Moi, je pense à lui, forcément. Pour les 5 ans, puis ce que pourra avoir d'autres. Il y aura Luffy, un classique. Peut-être une partie de l'équipage, Chapeau de paille.
65 ans, l'équipage au chapeau de paille. Parce qu'un retour des frères Sabo. Sauf que Sabo, il n'y a pas eu longtemps, il y a une spie, donc. Peut-être l'équipage au chapeau de paille. En entier. Bon, ça se pourrait. Plus avec Roger. Certainement. Donc, ça, c'est. Voilà. Ça, je vous ferai une vidéo plus, un petit peu à part. Aussi, ce que je voudrais par rapport aux 5 ans. Je veux pas un truc en plus, etc. On a assez. C'était même les dernières. Il est au complet. Let's go. Il est au complet. Désolé. Désolé. C'est avec ma batterie si elle bouge. Étoile. Et non, elle est. Voilà, un petit peu ça s'aspect. Qu'est-ce que ça raconte? On va voir ça se paye, qui est sympa, franchement, qui est sympa. Voilà, une petite offerte, hein, comme d'habitude. Ils avaient en plus des tickets, hein. Donc, quand vous farmiez, vous aurez les pièces de Mars. Et avec ces pièces de Mars, vous pouvez récupérer les tickets de Barbe Blanche. Donc, voilà. L'Afrique Turbo, forcément. Il y a quand même quelques spéuels, ok. La S que j'ai déjà, Marco que j'ai. Ça, c'est. Elle a spillé de Ace et de Marco. Gagne speed turbo, donc ça permet de apparemment ça faiblit les adversaires. La pression, la speed turbo de par blanche, faut maxer ses 370 000 ou 135, donc c'est une super en zone, hein, forcément. 140 en speed, 30% de pénétration en turbo. Il faudrait que je traduise les trucs. Sauf que ça fait des effets sur les ennemis. Donc c'était une double spé, hein. Enfin, double élément. Allez, faites tomber sur la gratuite. On peut zapper. Hein. Allez, let's go. J'ai tous des ex. Et la spéule. Go, vous avez la multi gratuite, mais c'est en plus les tickets. Donc, quoi qu'il y ait, vous avez deux multi gratuites.
Allez, c'est jamais. Tenue bleue. Apparemment, ça donne rien, mais on sait jamais. Ah, il y a quand même quelques gold. C'est en gros dans ma vie. Et on sait jamais. Il n'y a rien. Les ex que j'ai déjà. Suite de roue. De ace. Oh, vous avez un petit moment. On va faire une ulti. Okay, vous avez les tickets, hein, donc quoi. Okay, vous avez une deuxième ulti, hein, offerte. Parmi l'événement, mais quoi, de faire une deuxième ulti. Le jugement, j'aurais pas fait. Hein, si j'avais eu de sa première, je l'aurais pas fait. Forcément. Allez, on sait jamais. Peut espérer qu'il y aura quelque chose. Et pour mon petit retour. Allez, j'ai du rouge, on sait jamais, mais il y a pas mal d'ex, hein. Donc il y a pas mal de gold en portail. Allez, s'il te plaît. Allez, barbe blanche. Pour un retour. Non. Parce qu'il y a l'argent. La garantie, c'était une carte bonus. J'avais déjà. Un peu dégueu, mais bon. Ok, nous avons toujours les tickets. On ne sait jamais. Va même plus des singles. Peut-être que ça fait très longtemps. On a des singles. Ça fait rien. Ça me tombe. Elle tombe là. Putain, pas grave. Il me restera le ticket. Ça va. En attendant. Okay.
Mais eux, ils n'ont pas de carte bonus. S'ils en ont, mais il faut les prendre. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de carte bonus. En plus, s'ils en ont, mais il faut les obtenir. Tac. Si on attend. Un petit peu l'aspect de Barbe Blanche. Au niveau des autres. C'est pas qu'on trouve, mais ça ne fait rien. C'est le cœur. Voilà. Donc c'était une vidéo sur One Piece The Storm. Donc voilà. Un nouveau jeune barbe blanche avec SPUL que j'ai pas reçu, mais quoi qu'il arrive, même si j'ai pas sur les multigradu sur les tickets, faudra les farmer. Ça va bon, les tickets, ils avaient multi offert, quoi qu'il arrive, ils avaient deux multi. Si j'ai à la choper sur la multigradu, tant mieux. Mais voilà, c'est donc quoi qu'il arrive, ils avaient un deuxième multi hein, de barbe blanche avec les tickets. Moi, voilà. Là, si je vais te donner un conseil, peut-être pas trop forcer sur Barbe Blanche et conserver pour le mois de mars, jusqu'au 21 mars. Voilà, festival arrive. C'est plus intéressant le festival, hein, on va pas. Je cache pas, c'est meilleur le. Sera meilleur le festival. Parce que si vous pouvez. Certes, il est garanti une spie à la fin, mais c'est Barbe Blanche. Et les spies de Barbe Blanche, il y en a plein. Et donc, en soi, ce qui garantit la spie UL, oui, il doit garantir quelque chose, mais pas forcément sa spie. Donc, voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez ce que vous avez reçu sur le portail. Moi, il n'est pas tombé. J'ai quelques espèces en argent. Voilà, on verra bien avec les tickets qu'on formera. Prenez bien soin de vous. On se verra dans la semaine pour d'autres vidéos sur One Piece. Je ferai une cinquième ménage dans ma box. Voilà, je commence à saturer. Il y a forcément des trucs que je dois forcément jeter parce que peut-être que je les garde dans le doublon, etc.
Je pense au garde bonus. C'est un peu plus difficile à les... à s'en séparer. Mais voilà, je commence à être certainement, même s'ils ont augmenté un petit peu les places, faudrait que je fasse une bonne ménage au niveau de la boxe. Ouais. Il y aura d'autres vidéos hein, sur One Piece avec ce qu'il y aurait pour les 5 ans. Je dis brièvement, mais voilà. Voilà. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine.